sur scène, je dirais que je fais un spectacle. Et ce serait probablement la meilleure façon de me décrire. Comment ça va, tout le monde? Oh, vous êtes complètement hystérique ce soir, là. Je sens l'énergie, ce désespoir, vraiment. Comment ça va encore, là? Sur 10! Je n'aime pas vraiment de théâtre. Je pense pas qu'il y ait un immense côté théâtral. C'est juste de la liberté. C'est pas nécessairement du théâtre. C'est plus de la liberté puis du plaisir. Le plaisir, ça, on n'est pas obligé de l'associer nécessairement au théâtre. Mais vu qu'on le fait sur scène, les gens disent que c'est théâtral parce que c'est fait sur scène. Mais si je le faisais comme ça dans la rue, je dirais pas que c'est théâtral. Tu comprends? C'est important de réfléchir. La musique, ça sert pas juste non plus à... Ben, pour moi, en tout cas, ma vision de la chose, ça sert pas juste à hacher de la tête là, ou à faire la. Tu sais, moi, j'aime réfléchir quand je vais voir un spectacle. Puis j'aime être surprise par ce qui se passe. Puis j'aime... Ben, c'est ça. J'aime quand c'est sensible aussi. Fait qu'il y a un grand côté hyper sensible dans ce que je fais parce que c'est toujours de l'improvisation. Et donc, on sait jamais... Des fois, ça peut être un soir moins bon qu'un autre soir. Mais c'est ce qui fait qu'un spectacle est un spectacle. Puis moi, je voudrais jamais tomber dans les trucs machinales, là, qui la répétition, genre de produit dégueulasse. J'ai écouté beaucoup de rock progressif quand j'étais adolescente. Là. J'ai écouté King Crimson, Pink Floyd, Gentle Giant, Frank Zappa, des affaires comme ça. Puis aussi beaucoup de trucs, beaucoup de musique. Ben, j'aimais beaucoup la période des années 70. Et puis la liberté qu'on y trouvait, la folie aussi. Plein de groupes québécois qui m'ont inspiré, des poètes québécois aussi qui m'ont inspiré. Et la tournée se termine en décembre 2015. Et après ça, ce sera vraiment concert. Après ça, je vais recommencer à être ermite, à angoisser, à écrire des chansons. M'a beaucoup plu, c'était vraiment sympa et je pense que voilà, c'était un bon exemple de ce qu'est la musique, une célébration de la vie et un langage universel. Voilà. Tout à fait plein d'humour, comme les Canadiens. On a découvert une chanteuse extraordinaire, voilà, très bien. Musicalement, j'ai beaucoup aimé, beaucoup de cordes, c'était sympa. Après, effectivement, il faut rentrer dans l'univers, c'est bon, à revoir en tout cas. Merci pour les mains.